porte me mord à Skywalker. Tu sais où je peux la trouver. Où l'a-t-il emporté? J'ai ce qu'il me fallait. Tu as rendu les armes. Et pourquoi? Pour devenir père. Tu sais, Iden m'a peut-être trahi, mais toi, Tel, tu m'as laissé tomber! Ask, ne te lance pas à sa poursuite. Ça finira mal pour toi. Pensez à enterrer Delmico et son équipage. Mais ne touchez pas au Corvus. Vous savez qu'elle va venir le chercher. C'est bien ce que j'espère. Je t'ai proposé un vol d'entraînement, je ne pensais pas exactement à ça. T'en fais pas, maman. Arrête des vieux jeux comme ça. Pardon, vieux jeux? Attends un peu, laisse-moi t'apprendre quelques trucs sur les X-Wing et sur la sécurité. On reçoit un appel du Corvus. Ton père n'est pas censé rentrer avant plusieurs jours. Iden, ici Shreve. Je vous envoie des coordonnées. Il faut qu'on se voie. On arrive. Oncle Shreve, ta grosse tête m'a manqué. Toi aussi, tu m'as manqué. Est-ce que tout va bien? Ta mère est par là. Oui, elle cherche son mari. Content de te voir, Shreve. Où est elle? Je cherchais des informations pour la résistance dans le système Jinata. Ça s'appelle le projet Résurrection. Il y a des gens qui disparaissent, et le général Organa pense que le Premier Ordre n'y est pas pour rien. J'ai été surpris quand mes scanners ont capté le Corvus sur Pilio. Qu'avez-vous trouvé? Rien du tout. Le vaisseau était vide et toute la planète est recouverte de mines. J'ai cherché partout, mais aucune trace de Del. Donc, j'ai consulté le journal du vaisseau et j'ai trouvé ça. Avant Pilio, Del s'est posé sur Atula, une planète en bordure du système. Quelqu'un là-bas doit savoir ce qui lui est arrivé. Oui, je l'espère. Parce que c'est notre seule piste. Shreve, mettez le cap sur Atula. Oui, madame. Del n'est pas là. C'est pour nous aider qu'il vous envoie. Les Jinata ont enlevé tellement de familles, nous sommes au désespoir. Quelqu'un est en train de brouiller le signal. Vaisseau de la sécurité Jinata en approche. Les troupes de Gleb. Qu'est-ce qui se passe? On a de la compagnie. Shreve, j'ai besoin d'un analyste expérimenté sur le pont. Zay! Je sais que c'est un peu soudain, mais tu es prête. Retrouve-moi au hangar. Les Atulan ont dit que Jinata kidnappait des familles. Ils viennent sans doute en chercher d'autres. En effet. Ici Limakai de l'opportunité pour le Corvus. Rendez-vous immédiatement avant que ça ne dégénère. J'allais justement vous dire la même chose.
Gleb avait pourtant dit que vous étiez têtu. Au moins, j'aurais essayé. Au revoir, commandant. Qu'est-ce qu'on fait, Eden? Vous pouvez approcher le Corvus de cette frégate. Il va falloir se débarrasser de ces vaisseaux. Je peux éviter les astéroïdes ou les lasers, pas les deux. Je détecte des chasseurs et des transports. Je me charge des quêtes. Il faut se débarrasser des deux. Suis-moi et fais attention à ces astéroïdes. T'inquiète pas, maman. J'ai retenu tout ce que tu m'as appris. Il faut qu'on abatte ces chasseurs. Bon, je t'attends. Très bien. Terminé. D'après mes scanners, les transports sont presque vides. Les hommes de Gleb doivent s'en servir pour transporter les prisonniers depuis Atula. Aide-moi. Je les tire, maman. C'est moi ou ces transports nous attaquent? Les transports armés sont indispensables. On fera attention à leurs lasers. Zay, avec moi, on s'occupe des transports. Moi ou ces transports nous attaquent? Les transports armés sont indispensables. On fera attention à leurs lasers. Zay, avec moi, on s'occupe des transports. Thank you.
transports nous attaquent. Les transports armés sont indispensables. On fera attention à leur laser. Nate, avec moi, on s'occupe des transports. Thank you.
ici. Les moteurs sont HS. Limakai, je vous donne une dernière chance de vous rendre. Clem ne me paie pas pour rendre. Elle me paie pour remplir ma mission, et c'est bien ce que je compte faire. Idem. Limakai se dirige vers vous à bord d'un chasseur N1 ultra modifié. Et il a des chasseurs lourds avec lui. Je vais distraire Limakai pendant que tu t'occupes des autres. Zay, attends! Trop tard! Un de moins! Et maintenant, occupons-nous de ton petit copain. Je vais pas pouvoir détourner son attention indéfiniment. Tu vas y arriver. Concentre-toi. Explose.
Je leur ai dit qu'on n'était pas prêt à tirer tous nos missiles à concussion en même temps. Zay, tu sais pourtant que le Corvus est désarmé depuis des années. Eux, ils ne le savent pas. Non, c'est vrai. Du beau boulot, soldat. Mais c'est pas tout. Ils ont craché le morceau. Gleb a embarqué Del quand il a découvert le projet Résurrection. Où est-elle? Vous n'allez jamais le croire. Vous avez dit à Zay de rester sur le Corvus. Elle s'est bien débrouillée sur Atula. On pourrait avoir besoin d'elle ici. Gleb est... une partie de ma vie que j'essaie d'oublier. Que Zay connaisse mon passé, c'est une chose. Qu'elle se retrouve face à lui, c'en est une autre. Je comprends.